The person responsible for all of this dies tonight. If we make it out of here, you think you're ready? I was made for this. Citadel Command, this is Captain Cross. Mission accomplished. I have Colonel Taggart in custody, ready for extraction. Taggart's order led directly to the collapse of the Central Blue Zone. Welcome home. Operation Red Light is over. What about our men? The
One's on the ground in Manhattan. You didn't think I was that naive, did you? When you have a festering wound, you cauterize it. We'll be saving millions of American lives. I won't let you erase New York like you erased Hope. What? We're 6 minutes out, and only I know the code. You were at Hope, Idaho. You took something from Elizabeth Green. I know what Black Watch has done. Because everyone I've killed, they're in me. They are me. That's how you... I've stopped this damn thing before. Stopped it dead. Hope Idaho is just a sacrificial lamb. Necessary cruelty. Shoot anything that moves. No one comes in, nothing gets out. Sir, the walkers have sealed themselves in the hospital. We have orders to liquidate the entire population. The mother and child are now military assets. And I just made general officer. You bastard. You could have stopped all this. You let it happen. When the weapon detonates and they think the infection is cleansed, they won't be looking for me. And when I consume you, I'll be able to withstand even this. Ok, alors c'est simple. En fait, en gros, faut se barrer. C'est simple, hein, c'est ça en fait, faut rester en mouvement tout le temps, faut assimiler et faire des cataclysmes parce que il fait très mal, il peut nous tuer en un coup. Alors je sais pas si je le touche là, je sais pas s'il est à côté de moi, je sais pas, mais je fais des cataclysmes. C'est bon, on le touche un petit peu. Il a semé. Et quand on l'a semé, eh bien, je sais pas ce qu'on peut faire. On peut l'attaquer. Ok, d'accord. Super. Le chasseur suprême. Bon, bah, on va assimiler des gens. Hop. C'est simple. On court, on assimile. Par contre... Ok, il n'y a pas encore. Parce que dans mes souvenirs, il y aura un petit truc assez méchant. C'est-à-dire qu'il faudra le battre dans un temps imparti. Et autant vous dire que ce genre de truc, c'est pas très cool. Ok, mais... Ah oui, d'accord, j'ai perdu un petit peu toute ma vie, d'accord, c'est cool. Allez. On court, on assimile et on va faire un cataclysme. Cours. Cours, Alex. Allez, espèce d'abruti. Alors, le jeu qui ralentit... Ouh là là là, ça ralentit. C'est un petit peu injouable. Enfin, si, c'est jouable, quoi, mais c'est horrible. Ah non, mais attendez, je me fais tirer en tous les sens. Ah oui, mais ok, j'ai pas mon armure, super. Non, oula, là, faut se barrer. C'est sûr que si je reste pas avec mon armure, je prends un petit peu cher. Allez, assimile. Non, il est là, juste à côté. Là, pour l'instant, je peux pas l'attaquer. Ça va, heureusement, les militaires, pour l'instant, ils l'attaquent, mais après...
quand ça va être dans un temps imparti, ça va être un petit peu plus chaud. Enfin, normalement, hein, il y aura ça. Allez! Non, mais bordel de... C'est bon, on lui fait mal. On se barre, par contre. Hein, lui. Alors, les ralentissements, ben... Je peux rien, c'est parce que... Ouais, bah oui, c'est... Et voilà, c'est PC à deux balles. Non, mais... C'est n'importe quoi, tout ça. Des bruits très bizarres. Il est là-bas. Ok. Par contre, oui, il va. Ah bah, il est derrière nous maintenant. Prends. Allez. C'est bien. Assimile. Mais bordel. Qu'est-ce que je peux faire? Là-bas. Là-bas. Il y a des mecs. Ça va, il y a toujours des mecs. C'est bien. Ça alimente un petit peu. Non, parce que c'est un petit peu chiant. Oula! Bien sûr, mais tout à fait. Je te dis rien, tape-moi. Et ça, est-ce que ça lui fait mal, ça? Ça va, ça lui fait mal. Bon. C'est simple, une fois qu'on a compris la technique, faut enchaîner les cataclysmes. Bon, par contre, c'est horriblement long. Et très chiant, parce que... Voilà, faut assimiler. C'est un petit peu dommage, entre guillemets. D'accord. Non, si je voulais pas te tuer. Non. Il me court après et tout, c'est horrible. Toi, allez, viens. Non, mais bordel, mais laisse-moi tranquille. Là-bas, il y a des petites boules de... Ah, mince. Allez, assimile. C'est un petit peu long, des fois. Merde. Non, c'est bon. Je sais pas s'il est à côté, s'il prend cher ou pas. Un peu le bordel. Mais laissez-moi tranquille. Foutez-moi la paix. Attaquez-moi pas. Attaquez l'autre. Bordel. D'accord, il est là-bas. Il est en train de faire sa petite vie. Allez. Non. C'est pas ça que je veux faire. Non, mais dégage, Alex. Bordel, putain. Lui, il a quand même du mal, hein. T'entends, Alex? Non, mais... Pff. Je voulais pas faire ça. Oula. Faut assimiler. Non. Mince, trop tard. La mission la plus chiante. Bon bah alors là forcément. Ok. Non mais encore dans tous les sens comme des abrutis. Moi je veux. Là-bas, ici. Allez, attrape-le. Mais tu le pas, Non, mais bordel. C'est vraiment très chaud. Je peux rien faire. C'est vraiment abusé, je peux vraiment rien faire. Attendez. Hop là. On va essayer de monter dans un hélicoptère. Je sais pas si ça fonctionne, j'ai jamais testé. Ah si, j'avais testé mais je m'en rappelle plus. Thank you.
Alors, est-ce que j'ai moyen de la voir d'ici? Oui. D'accord, il nous balance des trucs dans la face, donc on... ça sert à rien en fait. Non. Pff, heureusement. Il nous balance des... Bordel, mais... J'ai même pas le temps d'assimiler quoi qu'il arrive et il nous enchaîne. Non mais... Comment voulez-vous éviter un coup pareil quoi? Non mais... Bordel de merde. La la la. La 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 la. La 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 la. La la li la la. La la li la la. Ah bah. Mais ils sont tous morts. Bande d'abrutis. Oh, il a tiré tous mes trucs dessus quoi. Ça va, hein, mine de rien, il a quand même bien été affaibli. Mais bordel, qu'est-ce qui fait mal? Allez, assimile. Assimile, c'est bien. Là, assimile. C'est bien. Maintenant, où est-il? Oula. Non, bordel, je veux faire mon cataclysme. Fais-le, abruti. Ouais, il résiste bien ce cataclysme-là. D'accord. Ah oui. En une minute, comment voulez-vous que je fasse ça? Avec mes ralentissements de la mort qui tue. Mais il est où? Ouais, c'est faisable quoi, mais... Allez, allez. C'est faisable, mais... Ce qui prend cher quand même à ce cataclysme-là, mais... Par contre... Non, mais... Merde. Putain, non. Ouais, super. Faut éviter ça. Une minute, oui je sais mon petit pote, je sais, une minute. Je suis au courant, je te signale. Non. Fais ton cataclysme, merci. Plus fais peur. Il y a un monstre de Resident Evil 4. C'est normal qu'il a rien pris là. Oh là 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 là, attendez, je fais comment moi en une minute? Mais bordel! Oh, 30 secondes, j'arriverai pas, je vais pas réussir. Heureusement, je crois qu'il y a un point de contrôle, heureusement, parce que... Ah mais bordel, fais pas ça, arrête de faire ça! Ouais, 30 secondes, c'est mort. Je prends même pas... Mais bordel! Ouais, bon, c'est mort là. Non, mais. Je peux rien faire. Oui, bah voilà quoi. One. Zéro. Séquence de détonation lancée. Explosion. Ah, bah oui. Tu m'étonnes. Ouais, super. On recommence la mission. Échec de la mission, point de contrôle, allez. Ah, New York est détruit. Ah oui, point de contrôle. Ça va être où? Ah, du début carrément. Oh, bordel. Non, mais... Comment je vais faire? Ouais, bah écoutez.
Au final, je pense que je vais faire un truc. Ne m'en veuillez pas. Mais je pense que je vais couper l'épisode en deux. C'est-à-dire que je vais mettre un joli petit à suivre. Parce que ça va être vraiment très long, donc ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre un joli petit à suivre. Je déteste ce boss. Non mais lâche ça. Putain. Il attrape tout et n'importe quoi. Non. C'est vraiment très très chiant. Non. On va tester avec les autres cataclysmes. Ah, t'as assommé. Ouais, super. Alors, quelle touche? Merde, je me suis trompé. Putain. Ah, je me suis trompé de touche. Bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est ça, au final. Bon, on attend bien sagement ici. Allez. On va leur faire la même technique. Salut! Allez, balance ton cataclysme, Alex. Est-ce qu'il sera touché? Est-ce qu'il sera assommé? Oui. Je me trompe pas de touche là. Alors, c'est quelle touche? C'est merde! X. Mais c'est quoi X déjà? Je connais pas le gamepad 360, moi. Je me trompe à chaque fois. Ah, gamepad à la con aussi. Je déteste le gamepad 360. Parce que moi, instinctivement, étant un... On va dire un pro Sony, voilà, ça, moi, instinctivement, c'est... Je vois X, je pense à croix, et croix, bah, c'est pas du tout une touche, quoi. Pas pareil que sur PlayStation. Non! Allez, fais ton cataclysme, Alex. T'es juste à côté. La terre à prendre cher, cet enfoiré. La terre à être assommée, que là, je ne me trompe pas. C'est bon, t'es assommé ou pas? Non, même pas. T'as pas envie. T'as décidé que non. Ouais, alors, ok, mais non. Allez, mais... Allez, je t'assimile. Là-bas, j'ai besoin de vous. Mais c'est n'importe quoi, je suis en train d'assimiler, arrête de m'attaquer, connard de merde. Ah non, mais ce boss, sérieusement, que je le déteste. Je le déteste, par toi. Franchement, je vous mets au défi de trouver un boss encore plus cheaté que ça. Franchement, hein, si vous arrivez à trouver un boss plus cheaté que ça, eh ben, on va lui balancer ça déjà. Ah, ça lui fait quand même un petit peu mal. Si vous trouvez un boss plus cheaté que ça, eh ben, je vous félicite. Allez, fais ton cataclysme, mon petit pote. Même pas assommé. Bah non, pourquoi il sera assommé? Voyons. C'est vrai. Hein? Non. Oh, putain. À chaque fois. Je vais pas les prendre, Alex. Allez, barre-toi. Oh, c'est le bordel. Bon, en tout cas, c'est vraiment le mot pour définir prototype. Hein. Gros bordel, voilà. Je pense que
possible. Mais bordel, laisse-moi. En plus, j'ai des ralentissements tarés. Tout à l'heure, je tourne en même temps, hein, donc... Essaye, il aime pas trop ça. Mais bordel! Sérieusement, quoi. Non. Putain, on est un petit peu Rudy Gustin à râler dans tous les sens. Allez! Toi! Non! Ouais. Oui, non, mais putain! Il va pas me laisser tranquille, je peux même pas assimiler tranquille. Hop, direct il arrive quoi. Il est trop rapide. Allez, assimile, enfoiré. Et Alex prend deux plombes à assimiler son. À assimiler tout simplement. Allez! Allez! Barre-toi. Putain, il me fonce dessus, mais tu me tarais quoi. Allez, on va récupérer lui. Là, vous allez voir, il est déjà derrière moi. Ce mec, il fait des bons, mais tu me tarais quoi. Allez. On va faire le cataclysme ici, de toute façon, il a réussi moi. T'es même pas assommé, je parie. Bah non, ce serait trop simple. Hein. Tu seras assommé. Ah bah oui, et puis maintenant, bah c'est la fameuse minute de la mort qui tue. Allez, fais ton putain de cataclysme à la con là. Merci. Allez, laisse-moi. Ah, c'est bien. Allez. Cette fois-ci, je me trompe pas. Oui. Il prend cher. Non. Ne me dites pas qu'ils sont tous morts là. Toi, vite. Allez. Un cataclysme. J'ai soit assommé. Je t'avais dit quoi, connard? Ah là, con. Non, mais barre-toi, Alex, barre-toi. C'est ça que je veux faire. À chaque fois, je me trompe. Ok, on va peut-être pas. Allez. Cataclysme. Oh oui. Que c'était chaud.
I looked for the truth. Found it. Didn't like it. Wish the hell I could forget it. Alex Mercer. The city suffered for his mistakes. For what he did at Penn Station. And whoever he was, that's a part of me. Because when I close my eyes, I see the memories of 1,000 dead men screaming as I take their lives. Moments I'll relive forever. What have I become? Something less than human, but also something more. Bon. Et écoutez, c'est fini. Nous avons terminé le jeu. Ouf, et bien écoutez, ça fait quoi ? Une heure et demie que je filme. Alors je vous ai dit là que l'épisode serait coupé en deux au final. Au final, je sais pas en fait. Je verrai aussi en montage. De toute façon, je vous verrai bien. Soit il est coupé en deux et donc, il serait coupé en deux. Soit ça sera tout en un et donc ce que j'ai dit tout à l'heure en. Eh bien, après, ça ne comptera pas. Ça, je verrai si l'épisode dure vraiment trop longtemps. Si dure trop longtemps, là, oui, je le coupe en deux. Si dure plus de 50 minutes, on va dire, 50-55 minutes, je le couperai en deux. Sinon, je le laisserai comme ça. Mais bon, cette fin, les amis, waouh! Le boss final est un petit peu cheaté. Heureusement, j'ai réussi à le battre. Grâce au cataclysme à la fin, c'est vrai qu'on entre en masse critique une fois qu'on perd de la vie. Enfin, qu'on est au bord de la mort, quoi, entre guillemets. Et heureusement que j'ai pu le placer juste à temps. Mais bon, c'est. Pfiouf. Là, j'en peux un peu plus. Mon PC aussi, un peu plus. Il était bien chaud là. Enfin, il est encore bien chaud, d'ailleurs. Bon, bah, au final, qu'est-ce qu'on retient de ce jeu ? Gros bordel, voilà. Non, franchement, c'est un jeu assez sympathique. Bon, certes, il peut ne pas plaire à tout le monde. C'est le cas, il faisait moins de vues que mon let's play sur Pokémon. Mais il faisait quand même des petites vues, donc il y a quand même certaines personnes qui ont aimé. Et ben, je vous en remercie, parce que bon, c'est vrai qu'il peut pas plaire à tout le monde, c'est assez particulier, mais moi j'aime bien, voilà, c'est un héros avec des pouvoirs, héros entre guillemets, hein, c'est pas vraiment un héros. Un personnage avec des pouvoirs en général dans une map libre, enfin libre entre guillemets, c'est pas non plus un GTA quoi, mais... une sorte de Spider-Man ou quoi. C'est vrai que ça m'a bien plu. Le personnage, je le trouvais assez charismatique. Alors là, Rudy Gustin avait dit dans les premiers épisodes qu'il trouvait le personnage pas très charismatique. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il est charismatique qu'en cinématique. C'est vrai qu'en cinématique, il a beaucoup de charisme. Par contre, c'est vrai que hors cinématique, il est... Peut-être pas non plus une vieille chaussette, hein, comme l'avait dit Rudy Gustin, mais... Ouais, il est... Sans plus, voilà. Mais bon, moi, ça m'a bien plu. J'espère en tout cas que ce let's play vous aura plu. Que cet épisode, ou alors ces derniers épisodes, vous auront plu. Et donc, nous, bien, maintenant, on va se diriger vers un nouveau let's play. Un let's play qui va ressembler à quoi ? Qui va ressembler à un jeu que j'ai déjà fait. Bon, je vais pas vous dire le nom, mais je vais quand même vous donner deux petits indices pour que dans les commentaires vous essayez de deviner un petit peu. N'hésitez pas justement à dire dans les commentaires déjà vos impressions sur le let's play, vos avis, tout ça. Si le jeu vous a plu, ce que vous avez trouvé de bien, pas bien. Voilà. Dites ce que vous en avez pensé de ce prototype dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à donner votre avis sur le prochain let's play. Enfin, essayez de chercher, de deviner un nom de jeu, suivant les indices que je vais vous donner. Donc déjà, ce sera un jeu qui se rapproche de Resident Evil 4, que j'ai fait il y a de cela deux let's play. Resident Evil, c'est pas un Resident Evil déjà, mais ça se rapproche. Donc déjà, c'est un survival horror, voilà.
et assez particulier auquel je n'ai jamais joué. Donc ça sera une petite découverte pour moi. Il est sorti en 2008, je crois. Sur quoi? Sur PS3, Xbox 360 et PC, si je me trompe pas. Donc là, déjà, vous avez de gros indices. Je pense que si vous allez sur jeuxvideo.com, vous regardez en 2008 les tests qu'il y a eu sur les jeux Survival Horror, et puis je pense que vous trouverez assez facilement. Mais bon, voilà, je pense que ça pourrait être sympa cet été de partir sur Survival Horror, pourquoi pas. Ça peut être stylé. Et puis j'avais envie de repartir un petit peu là-dessus. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que... Je le redis, hein, mais j'espère que ce display vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Même, je dirais même un max de pouces bleus. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, hein, sur tout ce que je vous ai dit. Et ça pourrait être tout. Oui, je pense qu'on va se laisser là. Je vais vous laisser avec le petit générique. Et donc, nous, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau let's play sur machin, voilà, sans deux mots, voilà, sur un nouveau let's play. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao. Virus, 3 weeks, millions dead, and I was there. My name was Alex Mercer, and my work is almost done.